Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Jacques Sapir, l'économiste Jacques Sapir, grand spécialiste du monde russe sur le plateau d'Omerta. Et nous allons faire un tour d'horizon de la situation économique et stratégique deux ans ou presque après le déclenchement des hostilités en Ukraine. Alors, Jacques Sapir, on repense euh, immédiatement en termes économiques aux propos de Bruno Le Maire, qui est toujours à, à l'heure où nous enregistrons ministre de, de, de l'économie et des finances, et Bruno Le Maire qui avait certifié que euh, les Occidentaux parviendraient à mettre l'économie russe euh, par terre, euh, en représailles euh, à l'opération lancée euh, par Vladimir Poutine il y a près de deux ans. Oui. Euh, la déclaration euh, de, de Bruno Le Maire, euh, si vous voulez, dire euh, nous, allons mettre, euh, nous allons faire s'effondrer euh, l'économie russe. Tout d'abord, elle était euh, stupide, mais, euh, stupide au sens où un ministre n'a pas à faire ce, ce genre euh, de propos, euh, n'a pas à tenir ce genre de propos bravache, hein, si vous voulez. Euh, et d'ailleurs, même des amis politiques euh, le lui ont dit. Euh, J'ai le souvenir d'un tweet euh, de Bruno Tertré. Euh, qui est pourtant très pro-ukrainien, hein, mmh. euh, qui a dit, mais enfin, un ministre ne, se, ne parle pas comme ça. Donc, déjà, dans l'expression, c'était une stupidité. Euh, sur le fond, ça prouve qu'il n'avait pas lu les notes euh, qui circulaient depuis plusieurs années euh, au ministère des Finances et qui montraient que la Russie avait une capacité de résilience qu'elle avait assez bien digéré la première vague de sanctions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2022, la Russie est déjà sous sanctions. Et elle est sous sanctions depuis 2014-2015. Ce qui fait une période d'environ 7 ans. Bon, euh, Ces sanctions avaient été étudiées. Euh, J'ai d'ailleurs un de mes anciens étudiants, euh, qui, euh, qui vit maintenant aux États-Unis, euh, qui avait montré que dans ces sanctions, eh bien... Euh, les pertes s'équilibraient, euh, que, grosso modo, l'Union européenne avait perdu autant que la Russie et que ce que la Russie avait perdu, elle l'avait récupéré en 2-3 euh, ans. Bon, donc, on connaissait les capacités de résilience de l'économie russe. Bon. Euh, ce à quoi on pouvait s'attendre, c'était à une baisse de l'ordre de 4 à 5 du PIB dans l'année 2022. Alors, je ne parle pas de certaines euh, prédictions qui ont été faites, que ce soit par la Banque mondiale. Bon, la Banque mondiale annonçait euh, moins 11%, euh, bon, l'OCDE euh, devait être à moins 10,5%. C'était des chiffres absolument fantastiques, euh, si vous voulez, euh, qui n'avaient aucun rapport avec la réalité. Mais, euh, il était crédible, donc en fin février, début mars euh, 2022, de dire oui, la Russie va connaître une contraction de son économie de 4 à 5%. Bon. Ce qui n'avait pas été, euh, d'une certaine manière, pensé, c'est que, tout d'abord, ces sanctions n'ont pas été mondiales. Or, pour que des sanctions soient efficaces, il faut qu'elles soient mondiales. En réalité, euh, elles n'ont concerné que les pays dits occidentaux, ce que maintenant les Russes appellent le fameux Occident collectif, euh, donc l'Union européenne, les États-Unis, et puis euh, les alliés asiatiques, c'est-à-dire l'Australie, euh, le Japon, encore que le Japon euh, a été assez en retrait là-dessus, et qu'au sein même des pays occidentaux, on a quand même un pays de l'OTAN, la Turquie, qui a refusé d'appliquer euh, ces sanctions et qui, continue d'ailleurs de faire du commerce avec les deux, avec l'Ukraine, euh, à laquelle elle vend des drones, et avec euh, la Russie. Donc, cette situation, d'une certaine manière, ne euh, présageait pas d'une grande efficacité de ces sanctions. Après, euh, il semble maintenant avéré que le gouvernement russe s'était préparé à ces sanctions, et en particulier dans le domaine financier. Et c'est là où on a vu que euh, la coupure de certaines banques russes du système SWIFT n'a pas fonctionné parce que ces banques ont pu se connecter sur un système chinois équivalent et que tout ceci avait été préparé. Et on a vu euh, dans l'année 2022 la part, euh, si vous voulez, du yuan dans... Euh, le marché financier russe montait de manière extravagante. Grosso modo, le yuan est passé de 4 à 5% du marché financier russe, euh, maintenant à pratiquement 45%. Bon. Donc, euh, le gouvernement russe et la Banque centrale avaient en fait préparé euh, une politique contre les sanctions. Mais après, il y a un troisième fait euh, qui d'ailleurs nous a tous surpris. Je parle quand je dis nous, c'est les économistes russes les plus optimistes. Euh, et mon équipe qui travaille sur la Russie depuis maintenant pas mal d'années, puisque nous avons tenu notre premier séminaire franco-soviétique en 1991, et depuis nous avons maintenu euh, constamment la coopération. C'est que les entreprises russes ont réagi de manière très positive. Et en réalité, le départ de certaines entreprises occidentales je dis bien certaines, hein. toutes ne sont pas parties, certaines sont restées. Euh, Décathlon, euh, mmh. par exemple. Bon. Donc, le départ de certaines entreprises occidentales a été perçu par le monde des affaires russes comme une fantastique opportunité. Alors, une opportunité pour se faire de l'argent très vite, mmh. mais une opportunité pour conquérir des parts de marché et pour, euh, je dirais, remplacer les entreprises occidentales. Et ça, c'est très important, parce que, euh, si vous voulez, c'est lié au programme dit de substitution aux importations. Alors, le gouvernement avait lancé un programme euh, depuis fin 2014 de, de substitution aux importations. Ce programme, en réalité, fonctionnait à bas régime. Euh, les entreprises, bon, elles étaient intéressées, mais pas plus que cela et le gouvernement ne mettait pas énormément d'argent dans ce programme. Ce qui se passe à partir de mars 2022 est très différent. C'est que là les entreprises avec le départ des entreprises occidentales, enfin de certaines entreprises occidentales se disent ah ben oui, là la substitution aux importations elle prend toute sa signification. Donc on va pouvoir faire des affaires et le gouvernement russe et la banque centrale appuyant les entreprises, par des crédits hein, que ce, ou par des subventions, il y a, il y a eu toute une, toute une série de mécanismes, on a été dans une logique économique qui a fait que la contraction de l'économie a été, à la fin des fins, hein, vous connaissez l'expression de Jacques Chirac, hein, euh, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses, ben, euh, en février 2023, on a eu les chiffres et ce chiffre c'était moins 2,1%. C'est-à-dire la moitié de ce que les euh, gens réalistes sur la Russie estimaient. Et ça s'est, euh, euh, je dirais, euh, répété sur 2023, avec là un autre fait, c'est que l'économie russe, euh, à la fois sous le fait des dépenses militaires, oui c'est vrai, les dépenses militaires tirent d'une certaine manière euh, l'économie sous le fait de la substitution aux importations et sous le fait d'une consommation des ménages importante et il faut euh, toujours se rappeler que le salaire réel en Russie donc hors inflation euh, a recommencé d'augmenter à partir d'octobre 2022 a chuté euh, au mois de mai euh, enfin avril mai juin il a commencé à remonter et à partir d'octobre, il est repassé en positif. Et actuellement, le, le salaire réel est sur une pente annuelle d'augmentation de l'ordre de 7 à 8 Tout ceci a engendré une consommation des ménages, qui par ailleurs ont été aidés par le gouvernement avec tout le programme d'aide aux gens qui se battent ou qui contribuent euh, à l'effort de guerre. Donc c'est bien plus que les familles des, des combattants. Hein. C'est euh, l'ensemble des travailleurs de l'industrie de, de défense bon, qui bénéficient de crédits bonifiés. Bien, le résultat, c'est que nous avons eu une croissance très forte en 2023 et qu'aujourd'hui, l'économie russe est au-dessus de son niveau de 2021. C'est-à-dire que non seulement elle a récupéré du choc de 2022, mais elle a progresser par rapport à l'année de base, qui est l'année 2021. Et alors cette progression, elle est globalement probablement de l'ordre de 1,4-1,5%. Euh, et dans certaines branches de l'industrie, elle est phénoménale. On a des chiffres de plus de 50%. Mais dans le même temps, euh, on a quand même l'impression que le pays qui... paye cher les pots cassés en termes économiques, c'est l'Ukraine. Qui a vu, ses, euh, outre ces questions agricoles, une partie de son potentiel industriel à, à l'arrêt Oui, oui c'est évident. Euh, L'Ukraine, et, et, et c'est naturel, hein, oui. si vous voulez, euh, paye le prix le plus cher euh, de cette guerre euh, d'un point de vue économique. Un, tout simplement parce que, par rapport à la population ukrainienne, la mobilisation est en pourcentage. Très supérieure à la mobilisation russe, et que donc, ben, si les gens se battent, ils ne peuvent plus travailler, que ce soit dans les usines, les bureaux, les champs. Bon, ça, c'est une raison très simple. Deuxièmement, parce que les destructions euh, provoquées par la Russie euh, inhibent euh, le secteur industriel ukrainien, euh, les usines euh, n'ont plus du tout d'énergie, mais globalement, il semble qu'elle n'ait que 50% de l'énergie qu'elles avaient avant-guerre, hein, du fait des destructions. Bon, voilà, il y, y a là nécessairement une baisse de production. Euh, il y a aussi le fait qu'une euh, partie, euh, si vous voulez, des, euh, des voies de communication pour importer ou exporter des produits sont non pas inutilisable puisqu'il y a eu un accord pour l'utilisation de certains ports mais peu utilisable globalement. donc oui il est normal que euh, l'économie euh, ukrainienne euh, se soit effondrée et actuellement euh, s'il n'y avait pas euh, l'argent donné par l'union européenne et par les états unis les états unis donnant plutôt de l'argent euh, pour euh, la guerre mm. l'union européenne donnant plutôt de l'argent pour le, le maintien de l'État. Enfin, mmh. De fait, c'est nous qui payons les fonctionnaires ukrainiens. Hein, mmh. euh, si vous voulez, euh, l'Ukraine euh, mmh. n'existerait plus en tant qu'État. Donc, euh, une des réponses euh, avancées pour sortir à, à l'avenir de la situation dans laquelle on aura mis l'Ukraine, c'est cette fameuse intégration à l'Union européenne. Euh, on, on peut voir déjà peut-être des réactions politiques. Euh, si, on est, si on étudie bien les, les dernières élections polonaises, on, on voit que en fait tout le monde agricole européen qui est très inquiet parce qu'on ne peut pas envisager une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne si elle ne rejoint pas la politique agricole commune et ce qui désorganiserait tout le marché. Donc, euh, est-ce qu'au est qu final euh, l'Ukraine ne restera pas à la porte euh, malgré les promesses qu'on lui a faites. Alors, euh, je mm. crois que la question va bien au-delà mm. de, de la question de, mm. de l'agriculture. Euh, admettons que la guerre s'arrête dans les semaines qui viennent, ce que je, malheureusement je, je ne crois pas, hein, mais mm. disons, prenons ça comme hypothèse. Euh, L'Ukraine est actuellement dévastée. Les dommages. Euh, qui avait d'abord été estimés autour de 300 à 400 euh, milliards d'euros sont actuellement estimés au lord de 700 à 900 milliards d'euros. Bon. l'industrie ne fonctionne plus. D'ailleurs, il faut rappeler que c'était une industrie qui importait ses matières premières de Russie. En réalité, l'industrie ukrainienne a toujours été très largement intégrée. Dans l'industrie russe. Donc, l'industrie aujourd'hui ne peut plus fonctionner. Il reste l'agriculture, mais vous ne faites pas vivre un pays de la taille de l'Ukraine sur l'agriculture. Et puis, il y a le problème des hommes, des hommes et des femmes. Les statistiques ukrainiennes, qui datent de fin 2021, donnent une population de 41,7 millions. D'ailleurs, il y a une forte baisse depuis l'indépendance de l'Ukraine, puis la dissolution de l'URSS, à l'époque, l'Ukraine était environ à 50 millions. Or, sur ces 41,7 millions, euh, les statisticiens ukrainiens intègrent la population de Crimée, autrement dit, la population de toutes les régions qui sont sous contrôle de la Russie. Donc, en réalité, la population sous contrôle du gouvernement de Kiev, comme ça qu'il vaut l'appeler, devait être de l'ordre de 38 millions. Évidemment, avec l'avancée euh, des Russes, euh, ça a encore... Là-dessus, vous avez une émigration du fait de la guerre, qui est tout à fait compréhensible, si vous voulez. Bon, mais euh, il y a 8 millions d'Ukrainiens qui vivent dans l'Union européenne. Ce sont les documents de, de l'Union européenne qui le disent. Hein, si C'est Eurostat qui a, qui a calculé. Globalement, il y a 8 millions d'Ukrainiens euh, dans l'Union européenne. Il y en a deux millions et demi en Russie. Je dis bien d'Ukrainiens. Euh, ça ne compte pas les gens de Crimée, du Donbass, parce qu'eux, ils sont considérés comme russes. Donc, si vous voulez, d'un point de vue statistique, on ne prend là en compte que des réfugiés ukrainiens qui sont venus des territoires contrôlés par le gouvernement de Kiev en Russie. Glo globalement, il manque que 10 millions de personnes. Donc on passe de 38 à 28. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont connu euh, en si peu de temps une telle contraction euh, de leur population. Donc ça pose un véritable problème existentiel euh, à l'Ukraine. Ajoutons à ça le fait que... La natalité ukrainienne s'est effondrée. Alors, là encore, c'est tout à fait normal. Les hommes sont au front, les femmes sont en Europe. Quand est-ce qu'ils vont se voir pour faire des bébés C'est bêtement ça. Hein non. Mais la question qu'il faut poser, c'est, admettons que d'ici quelques semaines, la guerre s'arrête. Qu'est-ce que font ces gens qui vivent en Europe je pense qu'une grande partie ne retournera pas euh, en Ukraine. Parce qu'une partie a euh, fait sa vie. Euh, D'ailleurs, nous avons plutôt bien accueilli euh, ces gens. Euh, C'était des gens dont le niveau d'études était plutôt plus élevé que la moyenne des populations européennes, il faut le savoir. Euh, donc, ils se sont assez bien intégrés. Ils ont assez rapidement appris nos langues. Bon, les Ukrainiens parlaient globalement anglais, mais ils se sont mis à l'allemand, à l'italien, au français, à l'espagnol, bon, euh, sans problème. Et donc, sur ces 8 millions d'Ukrainiens qui vivent euh, dans l'Union dans européenne, combien vont rentrer Moi, je pense que pas plus de 2 à 3 millions, à l'heure actuelle. Et au contraire, une partie des hommes qui se battent, Iront rejoindre leur famille. Donc, ça veut dire que l'Ukraine, durablement, va être un pays sous-peuplé, va être un pays dévasté par la guerre et va être un pays dont les capacités d'exportation se réduisent en fait aux céréales, ce dont vous avez parlé, ce qui pose un problème quant à l'organisation du marché européen, de la PAC. Et là-dessus, on voit bien qu'il y aura des euh, réticences politiques importantes. On voit déjà l'ampleur de la manifestation euh, des agriculteurs en Allemagne montre que c'est un sujet qui est extraordinairement sensible. Oui, parce qu'on ne peut pas à la fois nous vanter une souveraineté alimentaire européenne et désorganiser complètement le marché. Euh... Et, et d'ailleurs, il n'y a pas que les céréales, puisque on avait noté quand même que le, le, les poulets ukrainiens étaient en train aussi de, de menacer les. Oui, ouais. ce n'est pas très important. Oui. En fait, les, les deux grands secteurs oui. d'exportation d'Ukraine, euh, ce sont les céréales oui, oui. et le tournesol, et les, les graines oui. de tournesol. Oui. Donc oui. voilà. Oui. Euh, globalement, euh, globalement c'est tout. Oui. Euh, et là, oui, on est, on est face à un vrai problème d'organisation. Alors, je ne dis pas que ce problème soit insoluble, euh, parce que l'Ukraine avait autrefois des marchés non européens importants. Hein. Euh, L'Ukraine ne faisait pas partie de l'Europe, elle ne fait toujours pas partie de l'Europe, euh, et elle exportait euh, essentiellement vers le Moyen-Orient. Bon. Donc, on peut penser que l'une des stratégies pourrait être de dire aux Ukrainiens, ben, concentrez-vous là-dessus euh, et limitez autant que possible la vente de, de vos céréales euh, dans l'Union européenne. Là encore, je dis, si on revient dans une situation de paix, mm. autrement dit, si les restrictions euh, à la circulation des navires mm. sont complètement levées, c'est tout à fait jouable. Sauf qu'il y a désormais un deuxième verrou, il y a la mer Noire, mais il y a aussi le problème de la mer Rouge, puisque euh, depuis quelques semaines, euh, les grandes compagnies ont décidé de dérouter leurs leur navires euh, à cause de la situation au Yémen. Oui, oui, mais on peut penser que oui. c'est un problème temporaire, oui. qui, qui pourra durer peut-être quelques mois, mais pas plus. Et alors comment pensez-vous que euh, l'Union européenne, et peut-être dans une moindre mesure les États-Unis, euh, vont pouvoir reconstruire l'Ukraine Ça, c'est une véritable question. Euh, alors, il y a d'abord une, une possibilité un petit peu fantastique mmh. qui consistait à dire euh, on va utiliser les avoirs russes qui ont été gelés. Mmh. Si vous parlez à des gens qui ont des responsabilités dans le monde financier international, ils vous disent tous, c'est impossible. Sauf si... La Russie est d'accord. Si vous voulez, on peut geler des avoirs, mais les attribuer à quelqu'un d'autre que leur propriétaire légal implique que vous avez déchu le propriétaire légal de son droit de propriété. Autrement dit, il faut une décision de justice. Or, les décisions de justice qui peuvent entraîner la déchéance de propriété sont. Elle-même liée aux actions du propriétaire et au fait que le propriétaire n'aurait pas respecté des choses qui font partie du Code international du commerce. Donc, je pense qu'au total, euh, ce n'est pas une solution euh, viable, ce n'est même pas une solution raisonnable. Après, qu'est-ce qu'on va faire D'abord, je pense qu'on ne reconstruira pas toute l'Ukraine. Et c'est quelque chose dont les, les Ukrainiens doivent prendre conscience. Euh, la reconstruction ne pourra porter que sur, euh, je pense, quelques villes euh, de l'Ukraine à l'ouest du dniepr, et puis sur certains grands axes de communication. Cette reconstruction, qui est la reconstruction immédiate, après je ne dis pas euh, sur 20 ans, oui, euh, possible qu'on reconstruise tout. Hein. Euh, elle peut être faite par un condominium entre les États-Unis, l'Union européenne, et à plein d'autres pays. Est-ce que des pays comme la Chine y verront euh, une manière d'entrer dans le jeu euh, bon, euh, et de faire peser son poids Ce n'est pas impossible. Donc, je suis, si vous voulez, moins pessimiste globalement. Euh, sur cette euh, question de la reconstruction, tout en partant de l'idée que cette reconstruction ne sera pas immédiate ni totale, et sur le fait que euh, même si cette reconstruction euh, peut permettre de rétablir des conditions de vie euh, de 28 à 30 millions d'Ukrainiens, euh, l'Ukraine est appelée à être un pays vide pour les 50 prochaines années. Et euh, sur un autre plan, euh, est-ce que euh, le conflit euh, modifie euh, en profondeur le début d'organisation euh, financière et bancaire euh, des BRICS, euh, qui ont créé une banque commune, qui est confiée à l'ancienne présidente du Brésil, parce mmh. que personne n'a relevé d'ailleurs en France. Mmh. Euh, donc est-ce que... Euh, est-ce que... Est-ce que des choses changent Est-ce que, est que ce conflit va hâter ce que certains experts appellent maintenant la désoccidentalisation du monde Alors, que ce conflit hâte la désoccidentalisation du monde, c'est absolument indiscutable. Elle ne date pas du conflit c'est un processus qui avait commencé il y a plus de dix ans en arrière. C'est une évidence. Après, sur la question financière, la chose qui inquiète les BRICS et au-delà des BRICS, mmh. hein, si vous voulez, l'ensemble le, euh, des pays de ce qu'on appelle maintenant le, le Sud global, mmh. c'est le comportement des Occidentaux sur les questions financières, sur le dollar, euh, euh, le gel des avoirs de la Russie, parce qu'il y a toute une série de pays qui disent, ah oui, ils ont gelé les avoirs de la Russie, mais nous, ils pourraient aussi nous faire le coup, euh, par exemple l'Arabie saoudite, euh, euh, les Émirats, bon, etc. Et donc, il y a une tendance euh, à l'émergence, je dirais, d'une autre sphère financière à côté de la sphère financière occidentale. Maintenant, il faut euh, aussi comprendre un certain nombre de choses. Ça ne peut pas passer par une dédollarisation immédiate. Bien sûr, la Russie, elle, se dédollarise. Mais globalement, il n'existe pas pour l'instant les institutions euh, nécessaires à la construction d'un autre système monétaire que le système monétaire occidental. Par contre, les institutions financières qui ont déjà été créées, comme cette fameuse banque des BRICS, qui date d'ailleurs de plusieurs années euh, passées, donc oui. ce n'est pas un, un, un produit de la guerre en Ukraine, euh, vont venir s'ajouter et d'une certaine manière rentrer en compétition avec des institutions financières au grosso modo avec les institutions financières euh, qui datent de Bretton Woods, euh, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, euh, la Banque mondiale, bon, etc. Et là on voit bien la logique, c'est qu'on va rentrer dans une euh, dynamique de concurrence entre institutions avec euh, toute une série de pays faisant plutôt confiance à certaines institutions et d'autres faisant plutôt confiance à d'autres types d'institutions. Dernière chose, euh, c'est quel sera le moyen de règlement Parce que vous savez, une monnaie, c'est classiquement, depuis l'Antiquité grecque, on le sait, c'est un moyen de paiement, un moyen de règlement, c'est un moyen d'épargne et c'est une unité de compte. Bon. Euh, le moyen de règlement, il est très clair que les monnaies des différents pays vont prendre de plus en plus d'importance. Et on le voit d'ailleurs, euh, quand on regarde dans les statistiques euh, du Fonds monétaire international, les statistiques euh, des opérations financières, que ce soit en termes euh, de réserves de banque centrale ou que ce soit en termes euh, de transactions, la part de ce qu'on appelait autrefois les petites monnaies euh, devient de plus en plus importante. Euh, je rappelle, ces petites monnaies, euh, c'est le yen. Euh, le franc suisse, la livre, mais aussi euh, le dollar canadien, le dollar australien, enfin bon. Et le yuan maintenant euh, euh, aussi. Alors, ces petites monnaies représentaient, il y a 10 ans, même un peu plus, il y a, il y a 15 ans, environ 10% euh, des réserves internationales. Aujourd'hui, elles représentent 22%. Autrement dit, elles sont plus importantes que l'euro. Ça, c'est un, euh, si un point dont il faut euh, prendre conscience. Donc, on aura certainement, en termes de monnaie de règlement, la multiplication de ces, euh, de ces monnaies locales, enfin pas de ces monnaies euh, nationales. Hein. Euh, bon, D'ailleurs, il y a toute une série de choses euh, dans le commerce russe qui sont payées en roubles désormais, mais comme unité de compte. La seule chose qui peut mettre en cause le dollar serait l'utilisation des droits de tirage spéciaux comme unité de compte, non pas comme monnaie pour payer, mais pour monnaie dans laquelle on, on estime une valeur. Et ça, c'était un projet qui avait été euh, mis en avant par les pays de l'OPEP il y a pratiquement 30 ans, même plus, et qui aujourd'hui est en train de ressurgir. Donc c'est là où il faut attendre euh, ce qui va se passer car euh, d'une certaine manière euh, si euh, par exemple l'Arabie Saoudite décide de vendre la moitié de son pétrole en, unit... en DTS en droits de tirage spéciaux même chose pour le Qatar même chose pour les Émirats Arabes Unis etc ils n'ont pas à demander son autorisation au Fonds monétaire international. Ils nous à demandé euh, l'autorisation au Fonds monétaire international que s'ils si utilisent le DTS comme moyen de paiement. Mais comme unité de compte, non, tout le monde peut se saisir du euh, DTS. Du Et ça, c'est peut-être euh, la manière dont la dédollarisation va se développer dans les années qui viennent. Et s'il y avait cette dédollarisation, quelles seraient les conséquences pour l'euro on sait que vous avez toujours été sceptique sur euh, la capacité de, pour l'euro à long terme euh, de maintenir euh, sa stabilité, euh, quelles peuvent être les, les conséquences euh, pour la monnaie euh, unique euh, européenne et par conséquent aussi pour les, les épargnants français. Alors, euh, mmh. deux choses ici. Oui. Hein. Euh, il est très clair aujourd'hui que la baisse du dollar, bon. Qui est réelle, qui n'est pas encore catastrophique, mais qui est réelle, ne se fait pas du tout au profit de l'euro, mais se fait euh, au profit donc des petites monnaies. Euh, je vous dis, euh, elles ont plus que doublé leur part euh, dans, les, euh, dans les monnaies de réserve des banques centrales. Euh, elles représentent désormais une part non négligeable des monnaies de transaction. Et, d'ailleurs, le point important, euh, l'euro est aujourd'hui et depuis euh, pratiquement une dizaine d'années, en dessous de ce qu'étaient les monnaies des pays qui ont constitué l'euro. Si vous voulez, euh, on a les statistiques, et, et si on regarde par exemple en 1995, qu'est-ce que représentait euh, le deutschmark, le franc français, euh, la lyre italienne, le, le, euh, le florin néerlandais, etc., c'est plus que ce que représente aujourd'hui euh, l'euro. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Après, pour les épargnants français, je pense que ça n'a aucune conséquence. Aucune conséquence. Euh, les épargnants français euh, ne sont pas euh, joueurs sur les marchés internationaux. Et s'ils jouent sur les marchés internationaux, ils ne jouent pas avec l'euro, ils jouent avec le dollar, mmh. en réalité. Bon. Donc, non, ça n'a pas de, si vous voulez, de conséquences. Euh, et d'ailleurs, si demain euh, on passait euh, de l'euro au franc, si on revenait au franc, une personne qui a une épargne, alors je ne sais pas, placée en assurance vie, il euh, euh, bon, y, y a toute une, toute une série de, euh, de manières d'épargner bon, en euros. Aurait la même chose en francs. Or, cette épargne, c'est quand même à plus de 80% pour couvrir des dépenses en France. Pour payer des services en France, généralement c'est lié à la retraite euh, pour acheter des biens français, de l'immobilier. Très souvent, euh, si on fait de l'épargne, c'est dans l'espoir d'acquérir un, un, un bien immobilier. Bon. Ben, tout ceci se paierait en francs, de toutes les manières. Donc, en réalité, il n'y a aucune conséquence. – Alors, sur un autre plan, euh, et pour, euh, mmh. on s'approche de, de, de la fin, mais euh, vous qui connaissez très bien euh, les milieux euh, politiques et les milieux d'affaires russes, quel est aujourd'hui l'état d'esprit euh, des Russes à l'égard euh, de, de la France euh, et peut-être à l'égard de, de l'Occident dans un sens plus large, est-ce qu'un est qu rideau de fer euh, euh, mental est en train de s'installer, ou est-ce qu'on pourra, euh, une fois ce conflit terminé, euh, retisser des liens C'est une, une question qui est effectivement très importante. Euh, il y a quelques jours, Sergei Karaganov, qui est... Euh, l'un des penseurs de la politique internationale les plus importants euh, en Russie, hein, depuis très longtemps. Hein. C'est quelqu'un que je connais, moi, depuis le début des années 90. Bon. Euh, et qui a toujours été ce qu'on appelle un occidentaliste, euh, quelqu'un qui, qui est pro-Occident, euh, pro euh, a publié un long interview dans lequel il dit, euh, bien sûr que la Russie est, dans son fond, euh, de culture occidentale, mais aujourd'hui, il nous faut dire adieu à l'Occident. Alors, bien sûr, on va dire, ce n'est que l'opinion de Karaganov, mais je pense que cette opinion est malheureusement euh, très représentative de l'ensemble de ce que pensent aujourd'hui euh, les élites, euh, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, euh, en Russie. Il y a effectivement cette idée euh, d'un espèce de désamour, par rapport à l'Occident, à la fois euh, parce que l'Occident leur fait du mal, bon, mais aussi parce qu'ils considèrent que l'Occident n'est plus fidèle à ses valeurs. Et donc c'est un, un point intéressant. C'est-à-dire On retrouve un écho dans cette position de la vieille position russe qui consiste à dire euh, Rome est tombée, Byzance a repris le flambeau. Byzance est tombée, c'est nous qui avons euh, repris euh, le flambeau. La troisième Rome. Voilà, c'est euh, l'idée de la troisième Rome. Euh, chose sur laquelle il y a beaucoup à dire. Euh, même chose, la culture russe, bien sûr euh, qu'elle est en partie occidentale, mais elle a toujours eu une dimension asiatique euh, non négligeable. Bien. Mais aujourd'hui, euh, ce constat est fait. Euh, culturellement, d'un point de vue des intérêts économiques, même de la Russie, euh, ce n'est plus vers l'Occident qu'il faut se tourner, c'est vers l'Asie et vers euh, les pays du Grand Sud ou, euh, ou du Sud-Colique. Donc, ça, si vous voulez, c'est un cadre global. Après, dans les relations avec la France, il faut ici distinguer les relations avec le gouvernement français et les relations avec la France, si vous voulez, au sens culturel ou même étatique euh, existant. Euh, les relations avec le gouvernement français sont au plus bas depuis qu'Emmanuel Macron a pris la décision de rendre public euh, des conversations qu'il avait eues avec Vladimir Poutine. Il faut le dire, c'est quelque chose qui ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais et pour une raison très simple. C'est que, euh, quand on se parle entre chefs d'État, on peut se dire des choses parfois très brutales, mais parce qu'on sait que ça reste entre chefs d'État. Et le premier qui prend, la, si vous voulez, la décision de rendre cela public, casse euh, d'une certaine manière euh, le contact. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, euh, Vladimir Poutine ne répond plus à Emmanuel Macron, et il ne lui répondra plus. Euh, ça, euh, peut-être qu'il... Il peut y avoir des, des communications qui peuvent passer au niveau euh, des ministres des Affaires étrangères. Que je suis certain euh, que Sergei Lavrov euh, est toujours prêt à discuter avec Mme Colonna. Ce n'est pas un problème parce que euh, les Russes euh, comprennent qu'il qu faut quand même euh, discuter avec la France. Mais il n'y aura plus de discussion personnelle entre euh, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, sauf si. Elles se font aux conditions de Vladimir Poutine. Donc voilà, ça, si vous voulez, euh, c'est ce que nous avons payé pour que dans la campagne électorale, euh, notre président puisse jouer les fiers à bras. Très clairement, euh, là, il y a, le coût euh, diplomatique est considérable. Après, euh, les, les Russes, euh, si vous voulez, euh, et en particulier euh, les scientifiques, euh, sont très surpris euh, de notre comportement. Bon, D'abord, ils disent, mais qu'est-ce que vous faites Ils disent, mais, mais pourquoi interrompez-vous euh, la coopération scientifique Il faut rappeler que la coopération scientifique franco-soviétique a commencé en 1966-1967. Donc, au moment où la guerre froide était loin d'être finie, on était quatre ans... Après la crise des missiles de Cuba, crise des missiles de Cuba, dans laquelle la France avait pris le parti des États-Unis, il faut toujours le, le rappeler, bon. euh, et qui était une des crises majeures. On a quand même été pas très loin de la guerre nucléaire à ce moment-là. Bon. Euh, mais on avait euh, développé des relations scientifiques, et ces relations scientifiques qui se sont développées de manière très importante, d'ailleurs après le voyage du général de Gaulle à Moscou. Euh, elles ont continué, quels que soient les conflits politiques qui pouvaient nous opposer. Et là, ce que ne comprennent pas du tout les Russes, et c'est normal qu'ils ne le comprennent pas, parce que c'est incompréhensible, euh, c'est le fait que les grandes institutions, les grandes universités stoppent leur coopération scientifique avec la Russie, alors que nous ne sommes pas pas dans une guerre froide, enfin, si vous voulez, on est dans une situation qui est très largement différente. Donc là, euh, ils se disent, mais enfin, comment raisonnez-vous Ils me disent, mais qu'est-ce que c'est que cette hubris qui vous a saisi, cette hubris anti-russe euh, euh, qui vous a saisi Et là, je pense que malheureusement, une, une certaine, enfin, un certain groupe, une certaine clique, de gens qui font de l'antirussisme leur fonds de commerce, a fait énormément de mal aux relations entre la France et la Russie, qui sont des relations qui ont existé, existent, existeront au-delà des différents gouvernements que nous pouvons ou que nous pourrions dans le futur euh, avoir, si vous voulez. Euh, cette idée qu'il peut y avoir des choses qui sont permanentes et des choses qui sont beaucoup plus conjoncturelles ne semble pas avoir effleuré, euh, euh, si vous voulez, toute une série de personnes qui ont du pouvoir à l'université. Et je pense par exemple au CNRS, qui a, qui a publié un communiqué disant qu'il interrompait euh, euh, ses relations avec euh, les institutions euh, de recherche russes. Euh, et là, euh, ça met d'ailleurs tous les gens qui cherchent à maintenir des relations scientifiques, euh, comme le fait par exemple euh, mon centre de recherche, dans une position euh, très délicate, et surtout dans le fait que, évidemment, nous n'avons plus aucun, aucun financement. Ouais. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces éclairages, Jacques Sapir. Je pense que ça a beaucoup intéressé nos, nos téléspectateurs, et ben, nous, aurons, nous espérons la joie de vous recevoir dans les mois qui viennent pour euh, voir euh, euh, où s'orientent euh, toutes ces questions relatives aux relations entre euh, la Russie et l'Occident, la Russie et la France. Merci, Merci beaucoup. Merci encore.